Sam, là. C'est à la mode, hein. Cette casse maudite d'un siècle, le droit du travail, excepté le MEDEF et quelques libéraux intégristes excités, malheureusement ministres. Il serait sage pour le gouvernement d'écouter avant qu'il ne soit trop tard et de retirer ce projet scélérat dont le pays ne veut pas. Même si, il y a 10 ans, le gouvernement, il n'est qu'au service d'une seule classe sociale, celle, et c'est la minorité qui détient la richesse, celle qui prétend créer des emplois alors qu'en exploitant individuellement les travailleurs, notamment entre leurs territoires, ils ont contrôlé au chômage. Tout va très bien, je vous le dis. Le chômage est à la baisse. D'ailleurs, c'est mon nom. Je suis un ouvrier. Excusez-moi, je ne fais que passer. Excusez-moi, sur mon tapis volant. Excusez-moi, je n'ai pas 10 ans. Excusez-moi, quand les bouchons du métro. Excusez-moi, vomissent des troupeaux. Excusez-moi, il était une fois. Excusez-moi, chez toi, c'est chez moi. Je me porte, ne frappe pas à ma porte. Moi, son mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Oh.
savoir entre El Khomri qui s'ordonne, ses où, qui pêcheur va morfler et morflera longtemps. On vous le dit, on s'en souviendra, les élus qui pièces, on s'en souviendra. Car attention, si on a pu le faire une fois, plus jamais. On a vu qu'ils ont une fois encore avec le peuple. On ne voit donc pas les questions de censure. Alors la prochaine fois, les camarades, on se lance des élections et on leur rendra nous aussi. On se rappelle. S'organiser librement le droit de construire une force indépendante, notamment syndicale, pour gagner. C'est toute l'histoire de force ouvrière, camarades. Oui, force ouvrière et pour la négociation, mais pas pour l'accompagnement du recul social. Force ouvrière refuse. Refuse de dire aux travailleurs qu'il faudrait accepter l'individualisation des contrats de travail. Force ouvrière refuse que le patronat puisse, entreprise par entreprise, définir les horaires, le temps des heures supplémentaires. Ils sont devant le lycée Bonaparte. Nous voulons un vrai travail avec un vrai salaire. Nous voulons des diplômes nationaux reconnus par les conventions collectives. À quoi bon avoir un baccalauréat? À quoi bon avoir un BTS? Ça n'est pas reconnu. Quel bon travail! Oui, la classe ouvrière est pour la jeunesse. Car il faut que la jeunesse puisse avoir un...